savais. Ta bonne mine. Malgré toutes les merdes qui nous sont arrivées, tu veux dire? Ah, si on rajoute ça, t'as carrément l'air de péter la forme. Alors, tu vas me dire ce qu'on fait ici, au juste? Bah, j'ai bidouillé pas mal de virtus dernièrement. Et j'ai trouvé un moyen de filmer les expériences de deux personnes en même temps. Je me suis dit qu'on pourrait essayer. Si ça te dit, évidemment. On pourrait faire ça n'importe où. Pourquoi on est venu aussi loin? C'est quoi cet endroit? Le bungalow appartenait à quelqu'un que je connaissais. Il est vide maintenant. Je m'en sers de temps en temps. Et c'est là qu'on va tourner, alors? Non, on va tourner sous l'eau. Ah non, 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 pas moyen. Ça, c'est une idée de merde. Dis-lui de trouver un autre cobaye. Alors? T'es partante? Ouais, carrément. Génial! Alors, c'est parti. J'ai tout le matos ici. Allez, mets ton petit cul dans cette combi. Bon, je vais te mettre le filmeur. Bon allez, c'est l'heure de se geler les miches. La glaciale, me voilà. Ok, tout est prêt. Allez, toi d'abord. Derrière moi. Et descends pas trop vite. On va où exactement? À peu près à mi-profondeur. Il fera complètement noir, mais les courants seront pas forts. Ça craint rien. Tu veux les coordonnées exactes? Non, t'embête pas. Je vais rester près de toi. Ok, ça roule. Les virtus, c'est pas qu'un simple moyen de gagner des édits pour toi. Non, tu crois? La peinture, la musique, c'est fait pour produire des réponses émotionnelles. C'est le principe de la créativité artistique, ouais. Exact. L'art est un catalyseur qui déclenche des émotions. Et les déesses sont pratiquement des émotions à l'état pur. Aucune idée de ce que c'est, mais je l'ai déjà entendu. Ça fait un truc du genre... C'est bon, tout est réglé et synchro. Et toi, ma vieille, t'as du talent. C'est bon, ça devrait le faire. On est... Synchro. Et maintenant ? Prépare-toi à prendre une claque. Attention.
intéressant. Entre toi et cet endroit, je suppose. Bien vu. J'ai grandi ici. J'étais pas revenue depuis que Laguna Bend a été rayée de la carte. Ça a l'air Nova. On y va. J'ai imaginé tellement de fois le moment où je reviendrai ici. Il m'a fallu des années pour trouver le courage de le faire. Pourquoi t'es pas venue plus tôt ? Bonne question. La réponse facile, ce serait que j'avais ni le temps, ni le matos, que les astres n'étaient pas alignés. Mais la vérité, c'est que ça me faisait trop bizarre. Et je voulais pas venir ici toute seule, avec un inconnu. D'endroit pour une photo. C'est l'eau qui a dû la faire sortir d'une des maisons. Tu distingues quelque chose ? Non, pas vraiment. Le meilleur diner de la ville a perdu son enseigne, on dirait. Voyons voir. Toi, quand t'étais petite, tu mangeais des marshmallows grillés. Il finissait toujours par prendre feu et brûler, mais ça te dérangeait pas. Ça résume bien la vie de nomade. Si tu fais le difficile, tu bouffes que dalle. En tout cas, il y a plein de trucs qui sont meilleurs quand ils sont un peu brûlés. Une crosse de hockey ? Il y avait une patinoire ici ? Si seulement. Non, on jouait au hockey de rue en runner. Judy, on continue. Oui, mon capitaine. Suis-moi. On cherche un truc en particulier, ici ? Non, mais ça peut pas nous faire de mal de jeter un œil. Y a de bonnes vibrations. J'ai l'impression d'être hors du temps, comme dans une boule à neige. On peut aller voir ce qu'il y a plus loin, après.
peut difficilement imaginer un truc plus absurde à avoir que ça sous l'eau. De l'eau en bouteille? Bien vu, Judy. J'avoue que je pige pas vraiment pourquoi ils ont décidé d'évacuer la ville sans leur caisse. Dis-moi, V, tu me donnerais quel âge? Ces épaves, elles sont plus d'un demi-siècle. Elles étaient déjà là quand j'étais gamine. Et elles étaient déjà dans cet état. Ça faisait un super décor pour jouer à la Max Tac et au Psycho. Préparatoire. Oh, la pauvre. Toute seule ici depuis 20 ans. Donc elle est à toi. Non. Elle était à Jenny Chapman. C'est pas moi qui l'ai, ta poupée, débile. Mais si tu veux... T'as pris sa poupée? Pff, non. Je l'ai cachée. J'étais un monstre. Tu l'as cachée? Pourquoi? Parce que je pensais que jouer à la poupée, c'était pour les nuls. Mais en fait, je voulais juste qu'elle me remarque. La bonne époque, quand les poupées étaient juste des jouets pour enfants. Je veux voir ce qu'il y a plus loin. Ok, alors viens, je vais te montrer un truc. T'imagines pas à quel point ça me fait bizarre de nager ici. Tu jouais dans ces rues étant gosse, et des gens y menaient leur vie. Ouais, je crois que j'ai une vague idée. Regardez s'il y a un autre moyen d'entrer. Fais-toi plaisir. T'aimais bien aller dans cette église? Je suis jamais vraiment allée à l'église. J'y prêtais pas attention, à vrai dire. Elle était là. C'est tout. Quand on a appris que Laguna Bend allait être inondée, les gens se sont rassemblés ici pour organiser une manif. Ça a servi à quelque chose? Regarde autour de toi. Et ça, c'est quoi? Non, j'y crois pas!
peut-être même du monde. On pourrait acheter Arasaka et Militech réunis avec. Sérieux? Non, j'ai aucune idée de ce que c'est. J'ai trouvé un passage. Je pense que ça craint rien. J'arrive. Je me suis glissée ici un jour où il n'y avait personne. Je me suis mise près de l'hôtel et j'ai essayé d'imaginer ce qui se passait dans la tête du padré quand il s'adressait à tous ces gens. À l'époque, je me demandais comment ils faisaient pour lire dans leurs pensées et pour tout savoir sur eux. Et après, j'ai crié aussi fort que je pouvais pour tester l'acoustique. Tu t'es pas fait éjecter? Non, j'ai détalé toute seule. Parce que mes cons m'ont fichu une sacrée trouille. Je crois que c'était parce que j'étais amoureuse de Jenny Chapman. Toute la culpabilité que je venais de libérer m'est revenue en pleine face. Comment t'as fait pour me sortir de l'eau? J'ai pas réfléchi. J'ai fait ce qu'il fallait. Hé, hey, attention, doucement. Alors, tu veux dire que tu m'as sauvé la vie? Merci. Je te l'avais dit que c'était con de plonger dans des déchets toxiques. Mais non, t'écoutes jamais. Je viens d'entendre un truc bizarre, comme quelqu'un qui se plaignait. Qui se plaignait? T'es sérieuse, là? V? Je suis un peu surmenée en ce moment, c'est tout. Si tu le dis. Mais c'était bizarre. Comme si c'était pas toi. C'est trois fois rien, pas de quoi s'inquiéter. Pourquoi je me fais chier? Tu devrais attendre avant de retourner en ville. Je suis claquée aussi. J'ai aucune envie de conduire. On devrait dormir ici, qu'est-ce que t'en dis? Allez, pourquoi pas. Alors, il est acquis ce bungalow? T'as dit que tu connaissais le proprio. Un de nos voisins refusait catégoriquement de quitter Laguna Bend. Les flics ont dû le tirer hors de chez lui avant que l'eau ne recouvre tout. Alors il s'est construit une nouvelle maison, le plus près possible de l'ancienne, mais... il est tombé malade juste après. L'eau était bien plus contaminée à cette époque-là. Tu dois être frigorifié. Je vais faire du café. Tu le préfères comment? Noir, s'il te plaît. Noir comme le cœur des Merks. Merde. J'ai oublié de mettre le générateur en marche. Je peux le faire. Non, faut pas que tu te forces. Je vais y aller mollo, promis. Ce qui est arrivé aux gens de cette ville, c'est déprimant. La plupart des nomades ont une histoire similaire. Et elle commence toujours par une expulsion. C'est lancé! À ce petit jeu-là, cette ville gagne toujours. Alors sois prudente. Judy? Je le ferai. Merde.
T'as dit quoi? J'ai pas bien entendu, je crois. Y a un truc qui va pas? Non, ça va. Tu penses à Evelyn, c'est ça? C'est la merde aux Clouds. Ces bâtards de Tiger Claws se sont vengés pour Hiromi et pour le reste. Il y a eu une fusillade. Tom est mort. Roxanne a failli y passer. La maison est fermée jusqu'à nouvel ordre. J'ai pas envie d'en parler, ni d'y penser. Je voulais pas te le dire. Je voulais que ce soit notre journée. Je voulais... C'est notre journée. Tu viens t'asseoir à côté de moi? Ton café est prêt. Salut. Enfin. Bon, dis-moi. Hier, c'était quoi, exactement? T'as oublié ou tu veux que je te rafraîchisse la mémoire? Tu sais très bien de quoi je parle. Qu'est-ce que ça représentait pour toi? Je pense que... Enfin... J'espère que c'était le début de quelque chose de bien. À moins que... Tu le vois pas comme ça. Tu peux être vraiment bête des fois. T'as ruiné mes plans. Tu le sais, ça? J'étais sur le point de quitter Night City pour de bon. J'avais même commencé à faire ma valise. Mais maintenant, je me dis que... Je devrais rester.
Oh mince. Je vais devoir me faire pardonner alors. Ouais, je crois que t'as pas le choix. Donne-moi ta main, V. Voilà, félicitations. Je viens de te donner l'accès illimité à mon appart. Waouh ! Tu veux que j'emménage ? Si c'est ce que tu veux. Sinon, tu peux juste passer quand ça te dit. T'es sûre ? C'est pas rien, quand même. Je t'aime bien. Je veux te voir. Souvent. Alors de mon côté, j'ai pas besoin de réfléchir. Tu veux y aller maintenant ? Vas-y, si tu veux. J'ai juste envie de rester un peu ici, avant de rentrer. À plus, Judy.